friend though. The one that step out, move 10 toes, mix down with the. Sit down, it's so detrimental. Bonjour à tous, bienvenue à Rennes, bienvenue au Roazhon Park pour le deuxième match de cette Coupe du Monde féminine 2019. À l'affiche, Allemagne contre la Chine. Allemagne troisième, non deuxième au classement FIFA. Donc attention, les Allemandes évidemment qui font partie des favorites pour le titre cette année. Comme pour l'équipe de France et l'Angleterre, et évidemment les États-Unis. Les hymnes, on se retrouve juste après. L'Allemagne qui veut évidemment faire oublier la catastrophe de l'Allemagne en Coupe du Monde masculine l'année dernière, qui n'avait même pas réussi à passer les poules. La composition de la Nationalmannschaft avec Schulte dans les buts, Pompon pointe sur les ailes, Hout et Gwyn. Et une joueuse au milieu de terrain de Bayern Munich. Et maintenant la composition des Chinoises dans quelques secondes. N'oublie pas la photo, évidemment. Belle influence ici à Rennes, comme hier soir au Parc des Princes. Évidemment, la ferveur de l'ouverture est passée. Maintenant, on peut bien rentrer dans la compétition. On risque d'avoir de belles surprises, comme à chaque Coupe du Monde ou Coupe d'Europe. La composition des Chinoises, maintenant. Et Peng Qimeng dans les buts. La composition des Jia Xiukan. Yang Li et Wang Shan Shan en pointe. Coup droit du deuxième match de cette Coupe du Monde féminine. Les Allemandes vont tout faire pour aller plus loin que leurs homologues masculins l'année dernière en Russie. A mon avis, elles en sont largement capables. Le Pols. Pop. Rosanne, la passe est interceptée par Luchiwan. Wang Chan Chan. Et interception. Simon qui s'est un peu raté, mais qui garde le ballon quand même. Le Pols. Queen. Dabritz. Oui, qui garde le ballon, tant bien que mal. Simon. Le Pols. Queen. Pop. Dabritz, Gwyn, Dabritz. Et l'interception impeccable de Yao Wei. Han Peng. Yu Chan Chan. Yao Wei. Kuyasha. Wu Ayan. Sangui. Ou l'interception. Degiring. Dorsun. Dabritz. Marozan. Pulse, Marozan. Pop. Out, pop out, le duo qui fonctionne bien, Dabritz, pour le bon dribble, non, la Gwyn, chercher une partie de la surface, c'est repoussé, c'est pas fini avec pop, Simon, le Pols, pop, Dabritz, pop, Marozan, pop, le Pols, Marozan, pop, la frappe, où ça passe juste à côté. C'est l'énorme frappe d'Alexandra Pop. Ça a fallu de peu pour que ça entre. Est-ce que la gardienne la touche? Non, je pense pas. Ça passe juste à côté, cette énorme frappe. Alex Pop, les Chinois ont eu très chaud. Face au double championne du monde. Je veux dire, elles sont en deux titres. Et relance ratée, interception des Allemandes avec Hout. Marozan, Dabritz. Marozan, l'interception, c'est peut-être pas fini.
Ouais, y a un Radpeng qui préfère dégager. Il va aller mieux. Il y a mis du monde à la surface. Le Pauls. Marozan. Tabriz. Gwyn. Le Pauls. L'interception. Wayan. Yu Chan Chan. Kuyasha. Yao Wei. Zangrui. Le long ballon pour Lou Jaoui. Ça passe pas face à Hendrix. C'est bien défendu. Et Gehring, oh la mauvaise passe avec Angli qui intercepte, ça a bien failli obtenir une frappe, c'est bien défendu par le défenseur. Défenseuse allemande, la contre-attaque, non, pas pour tout de suite. Marozan, Tabriz, Wout, Pop, Wout avec Hendrik qui va pouvoir peut-être centrer. Le centre dégagé directement, ça revient sur le Pauls. Hendrik, Tabriz, non, c'est dégagé directement sur Egering. Pour l'instant, les Chinois se tiennent bon, n'ont toujours pas pris de but. Hendrik, Marozan. Et non, interception. Et de même, et Simon qui intercepte, Marozan. Tabriz, le Pauls. Tabriz. Contrée. La défense chinoise est impeccable pour l'instant. Fujiaoui. Évidemment, Marozan, l'une des meilleures joueuses allemandes dans cette sélection. Le pose. Tabriz avec Pop qui était bien lancé, mais bien défendu, bien couvert par la défenseuse chinoise. Yangli. Franck Chan-Chan parfaitement lancé, hors jeu. On ne reviendra pas sur le fameux hors-jeu d'hier soir. Là, ça se joue pas grand-chose pour moi. Oui, bon. Ça se joue à quelques centimètres. Mais bon, on va rien dire ce coup-ci. Relance ratée. Wang Chan-Chan. Yao Wei. Yang Li. Liu Chan-Chan. Guyasha. Yang Li. Attention, les Chinoises commencent à avoir des ballons. Guyasha. Wang Chan-Chan, Guyasha. Yao Wei. On cherche une solution. Ça garde le ballon. Yangli. Wang Chan-Chan s'engrouille pour Yangli. Parfaite volant. C'est but. L'ouverture du score des Chinoises. À la surprise générale, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, pardon, qui prend le but. Allez, voilà. Faut surtout pas lancer le ballon aux Chinoises. La preuve. Ça finit au fond. 1-0 pour la Chine. Elles se sont totalement laissées avoir les Allemandes sur ce coup-là. Et oui, là même la gardienne ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que c'est bien joué, mais quelle passe lumineuse! Elle n'a plus qu'à la pousser au fond. Il n'y avait absolument personne pour la gêner. À Yang Li. Voilà, la surprise générale, c'est bien la Chine, pardon, qui mène au score. Il faut pas que les Chinois se relâchent maintenant, parce que les Allemandes ne sont pas réputées pour laisser passer des fêtes comme ça. Le match est encore loin d'être terminé. Marozan qui va peut-être lancer la révolte. Non, c'est bien défendu par Liu Yuping, qui préfère dégager en touche. Mais forcément, l'ambiance est descendue d'un coup, pourtant on n'est pas en Allemagne. Marozan, Hendrik, Marozan, Hendrik, le Pauls, Marozan, Hendrik, le Pauls. Non, le dribble ne fonctionne pas, c'est encore bien défendu. Oula, le ballon a failli être récupéré. Yangli, la buteuse. Le bon ballon parfaitement lancé de Gouyacha. Le centre, il n'y a personne, sans problème pour Schult. S'attendait à un match facile, ah ben non. Elle s'est fait avoir sur la seule frappe chinoise pour l'instant. Fu Jiaoui, Lin Yuping, Zhang Grui, Yang Li. Ça passe pas, c'est bien défendu. Comment ça, c'est pas direct?
Oute. Henrik. Oute, le bon centre. C'est encore bien défendu par la défense chinoise. C'est peut-être pas fini avec Simon. Tabriz. Le pose en difficulté, mais qui réussit à s'infiltrer de la surface. Le superbe dégagement. La gardienne chinoise et corner pour l'Allemagne. Le premier corner de la partie. Il est allemand. Ah, mais décidément, la Chine est pleine de surprises. Ça ne passe toujours pas pour les Allemandes. Quel arrêt de Peng. Et bien, dans le corner, qui a été une arme fatale pour les Françaises hier soir face à la Corée. C'est bien tiré. Ça passe devant tout le monde. C'est pas fini avec Dabrit. Le Pauls qui s'est un peu raté. Torsung qui se fait prendre le ballon très facilement. Liu Ping, Yao Wei. Pour l'interception, Marozan. Queen et la passe a raté. Et ça dégage en touche. Bientôt 30 minutes de jeu. Et c'est. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien la Chine qui bat le score. Face à l'une des favorites. Face à l'une des équipes favorites pour le titre, l'Allemagne. Attention, Pop, le Pauls. Marozan, le Pauls. Tabriz. Le Pauls pour Pop. Oh oui, c'est bien fait par Marozan. Et la parade encore de Peng. Et ça fait déjà deux arrêts importants de la gardienne chinoise. C'est peut-être pas fini avec Liu Chan Chan qui a du mal à se débarrasser de sa poursuivante, mais qui a aussi donné le ballon. Et l'interception de Guin. Attention, c'est pas fini. Pop. Le Pauls. Guin. Le Pauls. Pour Outa qui cherche Pop. C'est bien défendu, c'est dégagé. Et ça revient sur Egering qui rate sa passe en gruit. Liu Jiawei. Wang Chan Chan. Liu Jiawei. Henrik peut-être. Ou la bonne passe. La bonne sortie de Schultz. Devant Wang Chan Chan qui s'apprêtait à repousser le ballon au fond. Un match très très dynamique. Guin. Pop qui a pour peut-être centré, sauf qu'il n'y a personne à la surface pour l'instant. Guin. Le Pauls. Marozan. La frappe de Marozan. Et encore l'arrêt de Peng. Peng Chimeng. Trois arrêts. Alors que son adversaire allemand en a fait zéro pour l'instant. Guyacha. Et l'interception impeccable. Marozan. Henrik. Dabrit. Marozan. Dabrit. Marozan. Pop. Pop toujours avec l'interception de Liu Chan Chan. Guyacha. Et l'interception de Simon, mais directement en touche. Mais quand ça veut pas pour les Allemandes qui ont du mal cet après-midi pour l'instant face aux Chinoises. Sur la lutte. Liu Chan Chan, on change d'aile. Attention, peut-être l'interception. Non. Liu Jiawei et l'interception de Le Pauls. Torsun. L'interception. Wang Chan Chan. Liu Jiawei, l'interception d'Hendrik qui préfère donner rentrée à sa gardienne. Hendrik. Marozan, Hendrik. Out, pop. Oh, l'une de qui a même fonctionné. Et encore pour Out qui déborde. Attention, peut-être le centre. Non, si elle est passée. Le centre, on cherche Guin. Oh, la parade encore. Le Peng, c'est pas possible, la quatrième. Et cette fois-ci, il est à vous portant, s'il vous plaît. Il nous fait un match exceptionnel, Peng Chimeng, la gardienne chinoise. 4 arrêts. C'est un match de folie qu'elle nous sort cet après-midi face à l'Allemagne. Les Allemandes doivent se dire mais comment faire pour marquer un but. Décidément, ça ne veut toujours pas passer. Nouveau corner pour l'Allemagne. C'est mal tiré ce coup-ci. Ça revient sur Dorsum pour Dabrit. Pour Out. Et encore la parade de Peng. Frappe beaucoup moins puissante que la précédente. Le Pauls. Dabrit. La Rosane. Le Pauls. La Rosane. Simon. Le Pauls. Dabrit. Le Pauls. Marozan, Dabrit, le Pauls, Out, oh, qui passait quand même, Guin, Out, qui cherche une ouverture, il n'y en a pas, Guin, Simon, oh, le bon dribble, le centre, cherche, chercher Dabrit, c'est repoussé, servi sur Marozan, le Pauls, Guin, pour Pop, qui n'a pas pu se retourner, à la fin de Dabrit, c'est l'égalisation, enfin,
L'Allemagne réussit à trouver le fond des filets, le chemin des filets, pardon. Et l'égalisation de la Brétus avant la mi-temps. Ça a été dur pour les Allemandes, mais ça rentre enfin. À la 44e minute, ça rentre. Après 4 arrêts de folie de Peng Qimeng. Cette fois, c'est débattu la gardienne chinoise. La Brit est toute seule au milieu de la surface, il n'y a personne pour l'embêter. C'est impeccable. Cette fois-ci, très surprenante, très très bonne gardienne chinoise qui avait fait un super match jusqu'à présent est battue sur ce coup-là. Et Sarah Dabritz qui remet l'Allemagne sur de bons rails. Et un partout juste avant la mi-temps. C'est ce qui promet une seconde période de folie. Ben, ça tourne un match facile pour les Allemands. Ah ben non, la preuve. Il n'y a que un partout. Et 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et oui, il y a bien un partout. Zangerui. Koudjiaoui. Zangerui. Non, c'est trop long. Directement sur Higuering. Le Pauls. Torsoun. Le long ballon loin devant. Directement sur le défenseur chinoise. Zangerui. Lin Yuping. Zangerui. Kiaouei, Yang Li, j'ai bien vu, mais Kiaouei qui aurait pu frapper, l'erreur! Et la frappe quand même, mais l'arrêt de Schultz. Pas cette fois-ci. Pop, Marozan. Et c'est l'habitant ici à Rennes. Et un partout entre l'Allemagne et la Chine. Parce que personne ne voyait venir, hein, honnêtement. Ça promet une seconde période de folie, ici au Roazhon Park. Après 4 arrêts absolument exceptionnels de Peng Qimeng, la gardienne chinoise, Sarah Dabritz a quand même réussi à égaliser. Il aura fallu 24 minutes à l'Allemagne pour égaliser quand même. 7 tirs à 2, important, les Allemands dans dominant d'attaque. Il a eu du mal à marquer, mine de rien. Seconde période qui débute à l'instant pour ce Allemagne-Chine et pas de changement à la pause. Effectué par les deux entraîneurs. Zangerui. Une très bonne première période des Chinoises, mine de rien. Qui leur a permis d'ouvrir le score en premier. Gouyacheta, le centre, c'est repoussé. Et Dabritz qui va pouvoir peut-être lancer la révolte. La révolte, Gwyn, qui cherchait Pop, ça va peut-être passer. Non, bien vu par vous, Ayan, ça ne passe pas. Oh, l'interception, justement, de Pop. Avec Marozan maintenant. Dabritz. Pauls. Foot. Pop. Oh, la frappe de Pop contrée, la passe, oh, c'était bien vu, dommage. Il semble que c'était bien le Pauls qui était parti sur le côté, qui était toute seule, mais ça a bien été défendu par les défenseuses chinoises. Lin Yuping, Wang Chachan. Non, directement sur Higuering, c'est trop long cette passe. Schultz, Higuering, le Pauls, Simon, Gwyn, Dabritz. Gwyn, Dabritz, Gwyn, encore Dabritz, Simon, Dabritz, Simon, le Pauls, Gwyn, contré, le ballon n'est pas perdu avec Simon qui cherche l'ouverture, la bonne fin qui a fonctionné, le Pauls, Gwyn, le Pauls, Gwyn, le bon dribble, Dabritz, et la parade de Beng, c'était belle frappe, mais la gardienne était vigilante sur ce coup-là encore une fois. Le cafouillage, le ballon récupéré par les Allemandes. Dabritz, Marozan, Pop. L'interception. Et l'interception de l'autre côté aussi avec Hout. Dabritz, Pop. Dabritz, le Pauls, Dabritz. Marozan, Pop. Dabritz, le Pauls pour Pop, encore contré. Et c'est dégagé. Et les Chinoises qui peuvent partir à l'attaque. Par Hendrik, ce serait une touche pour les Chinoises et un changement à venir. Sortie de Mélanie de Pauls et l'entrée de Lina Magoul. Premier changement du match, il est pour les Allemandes. On aurait pu s'attendre à un double changement, mais ce ne sera pas le cas. Apeng, Liu Jiawei, Yowei, Zangerui. L'interception de Pop, Magoul qui touche déjà son premier ballon mais qui le perd aussitôt. Lin Yuping, Wang Chanchan, Lin Yuping, Lu Jiaoui, Hout à la lutte. Oh, le bon dribble.
Franck Tchatchan, Lou Djiaoui, le centre, Gouyacha qui était bien placé, mais là c'est pas possible, le centre. La bonne couverture s'est dégagée. Ce sera pour Gwyn. Simon. Gwyn, Dabrit, Pop, Magoul. Dabrit, Magoul, Barozan. Magoul, Barozan. Dabrit, Barozan. Dabrit, Magoul, Oute. Magoul qui cherche l'ouverture, ce sera pour Oute. Barozan, Magoul. Dabrit, Magoul. Dabrit. Pour Pop, Barozan. Non, c'est Dabrit. La frappe de Dabrit qui passe au-dessus. Non, je ne pas qu'elle ait été touchée. Et un changement. La sortie de Jennifer Barozan et l'entrée de Lena Oberdorf. Déjà le deuxième changement allemand. Oui, c'est surprenant que les Chinoises n'en aient pas encore fait. Et c'est 30 minutes dans cette rencontre et toujours à partout entre l'Allemagne et la Chine. Avec ce score-là, bah, la France resterait premier du groupe A avec 3 points. Évidemment, les deux autres sont ex-aequo avec un point. Wang Chanchan, Zhang Gerui, Wang Chanchan, Yao Wei, Yang Li. Yao Wei. Kuyasha, Yao Wei. L'interception de Simon, ça ne passe pas. Pop. Oberdorf, Oute parfaitement lancé, elle est toute seule, ou presque. Elle va devoir temporiser, ça va donner son ballon, elle est toute seule finalement. Pop, qui ne peut pas frapper ici, c'est fait. Oh, le poteau d'Alexandra Pop, ça fait déjà sa deuxième occasion, ça ne rentre toujours pas pour la capitaine allemande. Ah, elle est vraiment pas chanceuse aujourd'hui. Sa première frappe a été passée à côté, et bien celle-là, elle part sur le poteau et sort. C'est des mois, elle n'est pas récompensée pour ses efforts. Alexandra Pop, la sortie de Sarah Dabritz et l'entrée de Gauchling. Le dernier changement allemand est toujours OK effectué par les Chinoises. Oberdorf, Dorsun, Hendrik, Oberdorf, Magoul, Gauchling avec Pop, Gwyn qui cherche l'ouverture. Simon, Gauchling, Pop, Gauchling, Oberdorf. Pop, qui est possédé du ballon, c'est bien défendu, c'est dégagé. Wang Chanchan, Yao Wei, Wu Jiawei, Wang Chanchan, Yang Li, Yao Wei, Wang Chanchan, dépossédé du ballon, bien défendu par les Allemandes. Hendrik, Magoul, Pop, Gauchling, Gwyn, Gauchling, Magoul, Gauchling, Magoul, Gauchling, contré. Et c'est dégagé. La défense chinoise est quand même très bien en place. Attention, Yang Li parfaitement lancé. Sauf que là, il n'est pas toute seule. Li Yuping, Zhang Gerui, Wu Jiawei, Wang Jianjian, bien défendu. Gauchling, Egering, Oberdorf, Gwyn, Oberdorf, Gwyn, Simon. Gwyn, Pop, attention avec Pop encore, qui va essayer de centrer, et c'est bien défendu. Ce sera une touche pour l'Allemagne et le premier changement chinois. La sortie de Yao Wei et l'entrée de Tan Ryuwin. Il reste 19 minutes pour faire les deux autres changements. Voilà, ils vont prendre leur temps. Le centre de Pop, c'est bien défendu. Et Wang Chanchan à l'attaque. Yangli la lutte avec Dorsun et ça passera pas, bien défendu par Dorsun. Qui a quand même failli rater sa passe et puis se faire prendre le ballon. Simon, Gauchling, Pop, Oberdorf, bien défendu. Et l'arbitre estime qu'il y a faute. Donc pourtant il n'y a visiblement pas grand chose. Le coup franc, Gwyn, Gauchling, Oberdorf, la passe qui était bien vue mais c'est bien défendu. Wang Chanchan, Gouyacha, Sanger, oui, Yang Li qui est parfaitement placé, lancé toute seule, elle n'a plus qu'à frapper, la frappe et le but, et le doublé de Yang Li. Et bien voilà la Chine qui reprend les devants, décidément qui n'aurait cru personne, le doublé de Yang Li. Le premier but est à la 20e, celui-là est à la 75e,
C'est encore plus important, surtout que les Allemandes commençaient à être dangereuses. Décidément, pas beaucoup d'arrêts de shoot, hein, décidément, cet après-midi. C'était complètement seul, Yorgli, il n'a plus qu'à crucifier littéralement shoot. Ah, il ne peut pas faire autre chose, la pauvre gardienne allemande. C'est impeccable, c'est parfaitement placé. Et voilà, ça fait 2 buts à 1 pour la Chine. Qui décidément est plein de ressources cet après-midi. Il est en train de mettre en difficulté les Allemandes qui sont en train de refaire exactement le même parcours que leurs homologues masculins l'année dernière en Russie. Gouin. Gouin toujours qui attend désespérément une ouverture. Simon. Oberdorf. Pop. Oberdorf. Out. Magoul. Gauchling. Gouin. Gauchling. Le bon ballon. Oh, le bon dribble pour peut-être centrer. Oberdorf. C'est contré. Il manque Chadjan à l'attaque. Yangli encore elle. Attention peut-être le troisième. Et la lutte avec Dorsun et ça passe le centre. Non, ça passe pas. Attention Hendrik qui s'est raté. Heureusement, la frappe qui passe à côté. L'énorme erreur d'Hendrik qui aurait pu permettre le troisième but chinois à la sortie. Zhang Rui et l'entrée de Wang Chuang. Deuxième changement chinois. Et c'est bon, les Allemands sont en train de craquer en cette fin de match. Troisième but était pas loin pour les Chinoises. Simon. Gauchling. Dorsun. Gauchling. Simon. Oberdorf. Gauchling. Oberdorf. Out parfaitement lancé. Il va devoir temporiser, il n'y a personne. La surface, pop, Oberdorf, ça passe au-dessus. Quand ça veut pas pour les Allemandes. C'est des gens qui jouent très vite, mais ils n'arrivent pas malheureusement à concrétiser leurs actions. Et Peng Chimeng qui regarde le ballon s'envoler au loin. Encore 9 minutes, et c'est désormais la Chine qui remène encore au score 2 buts à 1. Est-ce que les Allemandes vont réussir à égaliser juste avant la fin du match, comme en première période. On va le savoir très bientôt. On approche de la fin de match, il reste 8 minutes. Jun Chan-Chan. Tan Ryu-In. Yangli. Guyasha. Wang Chan-Chan parfaitement lancé. Il y a du monde à la surface. Guyasha. Le centre. C'est directement sur Simon, la grosse erreur. Heureusement que ça suit. D'ailleurs pour Schultz, et la frappe n'était pas assez puissante. Ça fait deux fois que les Allemands de ce trou en défense. Ça aurait pu être déjà le quatrième but. Heureusement que la Schultz était parfaitement vigilante sur cette action. Simon. Gauchling. Oberdorf. Et l'interception, non pas pour longtemps. Le ballon toujours pour les Allemands de Hout. Oberdorf. Contré. Ce sera un corner. Non, c'est pas sorti. Intercepté par Peng Chimeng juste avant que ça sorte. Alping, Wang Chuang, Li Yunping, Wang Chuang, Wang Chan Chan, Andrew Yuin, Wang Chan Chan, Yang Li, Lu Jiawei, Li Yunping, pour peut-être centrer la personne pour la gêner, le centre complètement raté, directement sorti. Et le dernier changement chinois, non, pas rien dit. Ouais, là le centre était complètement loupé. On aurait presque pu revoir le corner complètement raté des Coréennes hier soir. Qui est directement sorti. Hendrik. Oberdorf. Magoul. Pop. Magoul. Gauchling. Gouin. Gauchling encore pour Gouin. Gauchling. Magoul. Le centre.